Bienvenue au studio Rock Moderne pour un unboxing qui continue. Alors, et puis aussi quelques rééditions que je vais vous présenter après cette superbe box que je viens de recevoir. Alors, déjà, je vous montre. Voilà, alors je l'ai eu en solde également, en promotion, à moins 30%, et c'est ça qui m'a fait l'acheter. Vous allez découvrir de quoi il s'agit. Alors c'était super bien emballé dans un autre colis. Voilà, il s'agit donc de la box anniversaire consacrée au meilleur titre du chanteur des Beatles, John Lennon, donc pour, je pense, sorti pour le 50e anniversaire à peu près de sa scission avec les Beatles, après l'album Let It Be, évidemment. Alors évidemment, il y a des versions qui ont été entièrement remixées, c'est-à-dire qu'on est reparti des bandes masters et on a refait un mixage qui n'avait pas été fait depuis les origines de la sortie des tubes de John Lennon. Alors cette box est sortie en 2020, voilà comment elle se présente. Voilà. Voilà, ils disent que c'est entièrement, ça a été entièrement remixé des morceaux originaux. Alors, c'est fait évidemment par du GZ Media, c'est Universal qui distribue ceci. Voilà, je vous la remontre et on va l'ouvrir. Il y a tous ces titres, on va découvrir tout ça ensemble. Et donc, elle contient 4 disques vinyles. Alors, il y a eu plusieurs moutures, si je puis dire. Une mouture en CD que vous a présenté, une box CD que vous a présenté Mr. Blu-ray Vinyl, excellente chaîne d'ailleurs, au passage. Et aussi, il a existé une box qui est assez onéreuse, maintenant entre 300 et 400 euros au moins, et si elle est neuve, peut-être même plus, qui comportait 9 10 inches avec donc 9 EP, les extended play, avec 2 titres par face, c'est-à-dire 4 titres par EP, par 10 inches, ce qui nous faisait donc 4 x 9, vous voyez, ça faisait 40 moins 4, 36 titres. Voilà. Alors ces 36 titres ont été regroupés, voilà, il y en a bien 36, c'était regroupé sur 4 disques vinyles et c'est beaucoup plus confortable. Et en plus, je l'ai eu pour 50 euros alors qu'elle vaut au moins 80 euros. Voilà, c'était donc les dernières soldes sur Amazon cette fois-ci. Amazon France, mais ça venait d'Angleterre, je crois, puisque ce n'est pas arrivé à mon point relais habituel, qui est très commode d'ailleurs, qui n'est pas loin de chez moi. Fait quand je suis absent, c'est beaucoup plus pratique. Mais c'est arrivé par la poste, donc ça venait d'Angleterre, du Royaume-Uni. Voilà. Ça y est, j'ai fait un bel unboxing, comme on dit. Voilà. Là, maintenant, on a moins de reflets. Vous avez tous ces titres, mais on n'y voit pas grand-chose. Alors, on va essayer de garder le. Mais c'est pas évident, parce que vous voyez, déjà, il s'est barré. Voilà. On va essayer de garder le blister dessus, essayer de le tendre un petit peu, je vais voir, sinon je l'enlèverai. Voilà, à l'intérieur, c'est comment ça se présente. Je crois que j'ai été le seul à la présenter, cette box. Oh là là, il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, il y a un super poster, évidemment, qui doit dater de l'époque de l'album Imagine, vers 71, je pense. Alors, on a. Peut-être un petit peu après. Bon, ça doit dater des années 70 de toute façon. Alors on a, qu'est-ce qu'on a dedans? Ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer, c'est assez sympa quand on ouvre. On voit tout ça. Vous voyez. C'est bien fait, quoi. Ça donne envie de regarder. Alors, Give Me Some Truth, on a un joli sticker. Voilà.
Ensuite, on a une très belle carte postale. Et une autre. John Lennon. Alors, Back Productions, c'était son label, je pense. Bon, ça, c'est la carte visite en gros, aussi en gros format. Et on a à l'intérieur. Ah, c'est pas mal fait du tout. Je pensais pas que c'était si bien pour le prix, franchement. Moi qui n'avais aucun album à part l'album Imagine, oui, j'en ai qu'un. J'ai pas grand-chose de John Lennon. J'ai un best-of que je vous ai montré, assez ancien, des années 70, 80. Début 80. Et voilà. Donc, et alors l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ici? Et c'est super sympa. Et on a donc les quatre disques quand même. Hein. Puis alors, ils sont vraiment costauds. Pour voir que c'est certainement du GZ Media, c'est quand même pas mal. Ouais, et les pochettes sont assez rigides. Donc, il y a eu des contrôles de qualité effectués par Universal. Donc, on a et je crois, ici un trifold. Donc, certainement, je vérifie parce que normalement, c'est quatre vinyles. S'il en manque un, oui, ça, voilà, c'est ça. Donc, on a deux gatefold, voilà. Pas un trifold, on a deux gatefold. Je découvre un petit peu la box avec vous. Donc, le premier ici et le deuxième. Il y a des reflets. Je pense que je vais peut-être le couper, ça, parce que je vois que ça gêne un petit peu. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous allez peut-être mieux voir. Pas tellement, voilà. Mieux voir les disques. Alors le premier, donc dans l'ordre de présentation de la box, c'est quand même pas mal fait. Et puis alors aucun éclatement de pochette, voilà. Donc, et on va découvrir les titres, je suppose, avec des sous-pochettes. Les disques sont dans les sous-pochettes. Alors, Instant Karma, évidemment. We All Shine On. Ensuite, Cold Turkey. Working Class. Class, pardon. Working Class Hero. Isolation. Love. Love. En phase B. God. Ensuite, Power to the People. Imagine, évidemment. Et Jealous Guy qui a été repris par, on le sait, Roxy Music. Voilà, bien plus tard, quelques années après, enfin peut-être une décennie après. Et du 100, 180, à peine, 180 je pense, en espérant que ce soit bien pressé, mais chez Universal, ils sont assez exigeants, donc GZ Media pour pas perdre le client, sous-traitant d'Universal, mais je pense que là, il risque gros, donc il ne faut pas qu'il y ait un souci sur la box. Alors, premier disque, le deuxième de ce gatefold, voilà les titres. Ça y est donc, vous pouvez faire un arrêt sur image, le deuxième, avec la suite, parce que ça se suit, comment dirais-je, assez bien fait. Je vous montrer. Voilà, on se croirait dans le studio d'enregistrement d'époque. Donc Instant Karma, c'est fait. Donc maintenant, on a en side C, donc Gimme Some Truth, Oh My Love, Oh Do You Sleep, Oh Yoko, 14 Angel. Ensuite en side B, Angel A. En side D. Alors, 15e morceau, Come Together, en live, version live. 16, Mind Games, Out the Blue, I Know. Voilà. Donc, c'est pas évident à lire. Voilà. Moi, je connais pas tellement la discographie de John Lennon. C'est l'occasion de découvrir tout ça. Voilà. D'écouter tout ça. Je vous dirai à l'occasion du pressage.
si c'est pas mal ou pas. Donc deuxième gatefold, elle fait toujours. Là, il y a une gerbe de fleurs là. Donc je pense que c'est pour. Je me demande si sa compagne qui était hospitalisée ou je sais pas, vous me direz. Est-ce que c'est l'occasion d'une naissance d'un enfant? Ou alors herpes, bedpes, oui. Voilà. Donc je pense que ils sont alités tous les deux. Voilà, donc. Et ici on a le fameux disque. Voilà, avec la suite de la salle d'enregistrement du studio. Salle du studio, je vais vous montrer les deux disques qui doivent s'emboîter comme ceci. Voilà, pas mal, hein? En noir et blanc, très très classe. Side E, donc on passe sur celui-ci. Pas d'éclatement, pas de défaut, rien. Franchement, pour 50 euros, je ne regrette pas du tout. Voilà. Alors, j'ai avec l'oreille. Voilà. Fraîche. Voilà. Pour se repérer, il y a des repérages, ça c'est pas mal. Parce que sinon. Alors, on a. Donc, en track side G. Track 29, Woman, Dear Yoko, Every Man Has a Woman, Who Loves Him. 32, Nobody Told Me, Side H, 33, I Am Stepping Out, 34, en fait, je vous ai montré le dernier. Donc, j'aurais dû commencer par celui-ci, bah tant pis. Voilà, celui-ci, qui est le troisième, en fait. Avec, voilà, donc la tracklist là. Side E et side F. Voilà, avec guillemets toujours. Voilà, donc en fait c'était celui-ci. J'aurais dû commencer par celui-ci. Voilà. Donc side E, Whatever Gets, You Through the Night, Bless You, Nine Dream. Steel and Glass, Stand by Me, Stand by Me, Side F, c'est à peine lisible. Hein. Angel Baby, Just I Like, je pense. Alors, Starting Over, I Am Losing You, Beautiful Boy, Darling Boy. Watching the Wheels. Ensuite, je vous ai donc parlé de celui-ci, déjà du dernier, du quatrième. Donc, on avait Happy Christmas et Give Me Peace and Chance en dernière track, puisque je vous ai déjà cité tout ceci. Voilà, donc, puisqu'on est dans la discographie de John Lennon et de ses meilleurs tubes, donc je vais vous parler un petit peu de ce dernier tube, donc de Lennon. Estampillé Beatles, je vais raconter un petit peu, faire un petit historique. Alors d'abord, auparavant, je vais vous montrer la version maxi de la Fnac, qui était dispo qu'en magasin. C'est assez curieux. L'édition spéciale, voilà, avec le label des Beatles. Voilà. Donc, Now and Then, évidemment, qui a été numéro 1 en Grande-Bretagne. Peut-être que ça aurait été à une autre époque, ça aurait peut-être pas été numéro 1, mais là c'est bien tombé, bien qu'il soit assez fan quand même de John Lennon. Et puis le petit 45 tours aussi, il y a une petite différence de prix, mais pas énorme hein, entre le maxi. Une version qui est un petit peu sold out aussi, transparente. On trouve la version blanche, il y a eu plusieurs couleurs, et une version bleue aussi.
Et je crois que la version transparente est sold out en ligne, mais de toute façon, à la Fnac, il y en avait encore. Ce new single, donc Now and Then. Alors en 1978, il a enregistré au piano, je crois, dans son appartement, enfin chez lui, dans sa maison. Il a enregistré un morceau en jouant au piano, notamment. Et après, sa veuve a légué cette bande aux Beatles. Enfin, oui, au groupe. C'est pour ça que c'est estampillé Beatles. Mais en fait, c'est du Lennon. Ça pourrait être un morceau de John Lennon. Sa veuve aurait pu le sortir en démo ou en. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, on a pu soustraire le mauvais enregistrement sonore musical du piano, le mauvais accompagnement, donc soi-disant. Et puis, évidemment, les Beatles ont réorchestré, donc se sont réappropriés le morceau, voilà, de John Lennon. Donc, voilà, ont donc réorchestré. La musique, si je ne m'abuse, voilà, c'est quelque chose comme ça. Et donc, ils ont isolé la voix et ils ont refait la musique avec la technologie d'aujourd'hui. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur cette box et puis sur cette édition Beatles Lennon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu aussi voilà, j'essaye de sortir. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, ça, c'est sold out aussi. Je l'ai eu à moitié prix à 20 euros. Faut compter 40 euros parce que c'est sold out. C'était une édition de The Sound of Vinyl, donc Vinyl, de chez UMC, toujours pareil, Universal. C'est Virgin qui pressait ceci à l'origine. Mais. J'arrivais quand même à enlever. Et donc c'est l'album de Genesis, donc de 1983, un album éponyme avec le maxi, enfin le morceau que je vous avais fait écouter en maxi, avec deux versions maxi, Mama évidemment. Et il y a aussi de très 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 bons titres. Tout est bon, hein. Phil Collins chante admirablement bien là-dessus. Just a Job to Do. Mais surtout Silver Rainbow, moi j'ai bien aimé It's Gonna Get Better. Voilà, donc la tracklist, j'ai bien aimé les deux derniers morceaux de la face B. Voilà, donc encore une solde. Mais évidemment, c'est du 180 grammes et on le trouve plus tellement facilement cet album. Je vous présenterai l'objet dans une commande qui vient du Japon d'ailleurs à l'occasion. Voilà, donc très très bon pressage, 180 grammes, enfin c'est l'Universal également. Voilà, donc c'était sorti en 83. C'est un des meilleurs de Genesis, moi que j'aime beaucoup le morceau Mama, mais tout est bon. 4 titres en face A, 5 en face B, produit par Genesis et Hugh Padgham. Ensuite, donc on reste en Angleterre, un groupe de Londres, Blur. Alors j'avais la version maxi tirée du premier album du groupe qui s'appelait Leisure de 91. Donc je dois avoir la version maxi de ça. Je l'ai, c'est même sûr. Je ne sais pas si je vous l'avais montré ou pas. Et là, il s'agit du deuxième album de 1993, Modern Life is Rubbish, à l'occasion du 30e déjà. Oh, du 30e anniversaire. Et c'est une version, évidemment, qui est Gatefold. Donc on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Alors, je sais pas si je remets la. Oh, on y voit assez. Si je remets de la lumière ou pas. Je vais regarder. Après, si. Oui, on voit bien aussi pareil. Donc, je remets un petit peu de lumière. On voit bien le groupe ici. Avec le chanteur qui s'appelle déjà composé par Damon Albarn et Graham Coxon. À l'époque, hein. À l'époque, il y a des membres qui sont partis du groupe. Voilà. Donc
Ça aussi, je sais pas si c'est pas du carton recyclé. Parlophone, qui c'est qui vient de rééditer ça? Je vais carrément aller là-dessus pour le voir. Sinon, j'y arriverai pas à voir ça. Il y avait 53 versions quand même. C'était un album assez connu. Très très bon morceau. Bah, surtout le morceau For Tomorrow. Mais tout est bon. Hein. J'ai bien aimé le morceau au piano en face B du premier disque. Il s'agit d'un double gatefold. Chemical World. Ou Intermission. C'est plutôt Intermission. C'est après Chemical World. Intermission. Et le Commercial Break aussi de 56. Seconde, mais c'est surtout Resigned, le dernier morceau de la phase D. Voilà. Puisque Commercial Break, c'est pas. Voilà, c'est pas terrible. Voilà, donc la tracklist. Et c'est donc la réédition, c'est. Parlophone, oui, toujours. Je vais quand même aller là-dessus. Voilà, on va voir. Regarder donc Europe, ouais, c'est Parlophone qui a réédité ça, donc il n'y a pas de souci, pas de souci, pas de souci. Donc je vous remontre. Moi j'ai adoré la pochette aussi, c'est un petit peu ce qui m'a fait acheter le disque. Mais enfin, je l'avais écouté, je l'ai écouté en streaming sur YouTube avant de l'acheter quand même. Et je trouvais que c'était un très bon album, c'était un bon groupe. Les premiers albums, je pense que petit à petit je vais les acheter, mais les rééditions. Pique un peu, ça coûte avec les frais de port, tout ça, faut compter une centaine d'euros quand même par disque. Voilà, pour si on, parce que c'était des éditions anniversaires, 25e anniversaire, donc ça a quelques années ces rééditions. Et donc voilà, si on n'achète pas ça comme là dès le départ, ensuite je l'ai payé que 7 euros en solde ceci, parce que j'avais un avoir. Sur ce disque. Voilà. J'avais un avoir. Voilà, mais un cadeau. C'était un code promo. Donc, et sur Amazon. Et ce qui fait que j'ai bénéficié donc d'une réduction. C'est pas un remboursement. C'est une réduction. Voilà, sur ce disque. Qui doit venir également. Je sais plus si ça venait d'Angleterre ou pas. Alors, sous pochette non éclatée. J'ai de la chance. J'ai de la chance, vu le transport. Oui, puisque c'était, c'est ça, c'était en livre, donc ça venait du Royaume-Uni. Évidemment, on n'a pas de. C'est un sticker replaceable, donc vous voyez comment je fais quand j'arrive à ne pas le déchirer. Parce que souvent, ces plastiques à la longue finissent par se déchirer et le sticker part avec. Voilà, donc c'était de ce côté. On va le mettre exactement où c'était. Vous voyez, et ça fait super sympa. Voilà. Donc, deuxième disque, hein, vraiment avec des super macarons. Vraiment très très bien. Très bon pressage aussi. Avec le code barre qui correspond. Là, il faut aussi le. Voyez, essayer de le garder, de ne pas le déchirer. C'est un petit peu. C'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce que le barcode, le code barre, n'est pas le même que celui de la pochette. En fait, la pochette, c'est une pochette standard. Vous avez ici un code barre pour le vinyle noir, donc qui est sorti standard. Et en fait, ici, vous avez un code barre qui est rajouté pour la version colorée. Il faut absolument le coller à côté, même si ce n'est pas très joli, mais c'est très important. Avoir ce code barre là, on voit tout de suite que c'est l'édition limitée, voyez, limited edition Orange Vinyl 30e anniversaire. Donc voilà pour une petite histoire, parce que souvent on me demande des précisions. Ben voilà. Alors ensuite, ben ça, je la lorgnais depuis un moment. C'est la dernière réédition du premier album du groupe new-yorkais The Strokes avec le chanteur Julian Casablancas. Et le guitariste Nick Valensi, bah, etc. Albert Hammond, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce groupe. Alors je mets quand même ma main parce que je ne voudrais pas être censuré comme aux États-Unis d'ailleurs. Il s'agit du premier album du groupe. Et je vous avais présenté les 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'il y a un live, les 5 autres albums. Il y a eu 6 albums studio. Les 5 autres, je vous ai présenté en édition
et même réédition limitée couleur. Et si aux États-Unis ça avait été édité il y a un an ou deux en version couleur, en Europe, la version couleur vient juste d'être rééditée en 2024. Donc voilà, donc je me suis rué dessus. Très bon pressage, 140 grammes, translucide, transparent. Voilà, très 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 belle édition. Voilà. Hop, le sein, Simon Templar, le sein. Voilà, hop. Ensuite, donc Transparent Red Vinyl. Alors, dessus, bien sûr, il y a Last Night et Someday, mais comme d'habitude, on pourrait sortir presque tous les morceaux en tube. Et ce que je voulais dire, c'est vraiment un son des années 90 qui sonne bien grunge, je trouve. Et on a le son qu'on peut retrouver chez Oasis, chez Nirvana, un petit peu chez Blur, un petit peu, je dis. Donc bien, bien, je dirais post-punk grunge des années 90 encore, puisqu'on est en 2001. Donc un album bien authentique, pas du tout commercial, si tant est plus qu'ils aient fait du commercial par la suite. Donc Legacy, c'est Sony Music qui a sorti ce disque. Je regarde quand même, à l'origine, c'était BMG RCA. Oui, c'est sous licence RCA Legacy. Donc on a du Sony Music. Alors je regarde un petit peu puisqu'on a un petit peu de temps. Donc sorti en 2024 hein, en Europe. Voilà. Au Japon, c'était sorti en 2023 la réédition. Et ça, je l'attendais avec impatience. J'ai failli acheter une réédition noire hein, parce que ça tardait un peu. Et donc c'est Sony Music sous licence RCA avec quand même une référence RCA dessus. Voilà, sorti le 12 janvier 2024 avec ces morceaux. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire, bon, 27 minutes, ben c'est pas mal, ça va me faire une petite vidéo, ça, de moins de 30 minutes. Voilà, donc tout ce que je pouvais vous dire, donc il y aura d'autres prochaines vidéos, un arrivage du Japon comme toujours, et puis aussi, un arrivage d'Amérique de chez Mondo aussi et de chez Waxwork. On va voir un petit peu comment je peux présenter tout ceci. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à la liker. Et bonne soirée, bon visionnage.